ce projet s'est inscrit dans le cadre de la mise en place du nouvel hôpital du centre hospitalier de la région d'Annecy. Il y avait deux objectifs dans cette démarche. Un objectif lié effectivement au caractère très contraint de notre capacité hospitalière et un objectif de qualité des soins, la bonne prescription, le bon patient au bon moment dans une prise en charge la plus anticipée possible et dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes dans un nouvel établissement qui a déménagé en 2008. On a donc consolidé nos activités, on en a développé d'autres et on a vite été confronté à la difficulté de pouvoir concilier hébergement de patients programmés, hébergement d'urgence. Donc le projet de gestion de lits a démarré dans ce contexte de tension sur les lits, avec la nécessité d'améliorer les hospitalisations à partir du service d'accueil des urgences. Je trouvais que les cadres des urgences étaient trop phagocytés par le travail de recherche de disponibilité en lit, de placement de patients. Donc on les a fait seconder par une infirmière de flux, une infirmière de coordination des flux patients. Cette infirmière de flux représente les prémices de la cellule gestion centralisée. Ces infirmières seront mises après dans la cellule de gestion centralisée des lits. Nous avons décidé de travailler sur nos organisations et sur l'harmonisation de nos pratiques en ciblant trois axes qui sont le processus de sortie pour gagner un maximum de temps lit, un deuxième axe qui était de développer les sorties le matin pour accueillir des patients le matin, améliorer la prise en charge seniorisée de ces patients dès le matin, toujours gagner du temps lit. Et le troisième axe a été de travailler sur les filières à partir des patients des urgences, sur le parcours du patient en mutualisant les compétences et médicales spécialisées et une prise en charge immédiate dans les services des patients. Et si vous allez dans mes bras, on rencontre les bras. J'ai donc présenté à Stéphane le patient dont on avait parlé, 82 ans, un pneumopathie Franche-Lobert. Stéphane, donc, puisque c'est une pathologie d'organes, c'est un malade de pneumo, il n'y a pas de problème. J'ai dit que ton équipe était passée le voir cette nuit et que ben, peut-être après vous donneriez un avis dans le service. D'accord, hein, okay. Pas de problème. Et on fera tout ça. Okay, bon, merci bien d'être passé. On avait vu avec la nappe qu'il fallait que les médecins acceptent le fait qu'un patient de leur service, entre guillemets, soit dans un autre service. Et ça, il fallait travailler avec eux. Telle pathologie, elle vient en priorité dans tel service, mais elle peut aller aussi en second temps dans un autre. C'est un changement culturel profond. On passe de quelque chose qui était peut-être l'appartenance de lit sous forme d'individualité, médecin, unité, à un parc de lit à disposition des patients de la collectivité. Maintenant, toutes les équipes comprennent que le séjour n'est qu'un passage à l'hôpital et qu'il faut l'anticiper dès le début. La progression du taux d'occupation sur l'hôpital, on est passé de 80% à la phase de début de chantier à 85% à la phase de fin de chantier. Et donc, les efforts qui ont été déployés durant ces deux ans sont plutôt assez conséquents. Tout ce travail qui doit être fait au préalable permet après de s'engager sur une cellule de gestion centralisée qui pour nous devrait arriver en 2013. Nous sommes dans un contexte particulier de fusion prochaine au 1er janvier 2014 avec l'hôpital de Saint-Julien. Et bien évidemment, on envisage de transposer tout de suite cette pathologie sur l'hôpital de Saint-Julien. On a déjà commencé d'ailleurs à la mettre en place. Avant la mise en œuvre de cette méthode, nous étions de manière permanente dans la crise et dans la difficulté de pouvoir la surmonter. Au jour d'aujourd'hui, on dispose des bases de connaissances, des plans d'action, d'une motivation qui est quand même encore extrêmement forte. Et donc, de ce point de vue, oui, après, nous rend plus forts et plus sereins pour l'avenir.